Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les miniguns de la map Warzone. Alors pour débloquer ces machines de mort, vous allez devoir faire le secret de la map Warzone qui est d'ouvrir le bunker numéro 11. Alors si vous ne savez pas comment ouvrir ce bunker, j'ai mis un lien en description de cette vidéo où justement je vous ai fait une vidéo tuto où je vous explique comment ouvrir le bunker numéro 11. Donc quand vous avez ouvert le bunker numéro 11, vous rentrez dans le bunker et puis vous allez là où il y a les variantes d'MP7. À gauche sur le mur, il y aura deux miniguns. Ensuite, vous avez juste à les prendre et vous pourrez vous amuser avec. Alors le problème, c'est que vous n'allez rien débloquer de plus. Vous allez pouvoir les utiliser dans la game où vous avez fait le secret, mais après vous ne pourrez pas les réutiliser par après. Il faudra à chaque fois refaire le secret. Donc je trouve pas ça super utile. Alors j'imagine peut-être que les miniguns serviront pour la suite du secret, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont mis juste ça pour avoir une récompense supplémentaire pour ceux qui rentrent à 4 dans le bunker, donc 2 prennent les variantes et 2 autres auront 2 miniguns. Après, vous aurez le temps de vous amuser vite fait avec, parce que tout simplement, ce sera sûrement la fin de partie si vous le faites. Et franchement, elles sont pas super efficaces. C'est vrai que c'est jouissif de tirer avec la machine de mort, mais après, je pense pas que c'est une arme super cheatée. Pour détruire les véhicules, ok, mais pour viser un ennemi, franchement, il y a du recul et tout. Franchement, ça va être compliqué de bien viser avec cette machine de mort. Donc voilà comment on débloque le minigun dans Warzone depuis la saison 4. Alors si vous avez des informations sur la suite du secret du bunker 11, donc de la map de Warzone, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous trouvez une utilité assez sympathique à faire avec la machine de mort, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.